qui a perdu la tête. Écoutez, maintenant, si j'ai le moyen de lui dire au nom de Jésus et que le couteau tombe, je vais le faire. Et que, mais le couteau tombe. Mais si le couteau ne tombe pas. Je vais défendre le mien. Je vais défendre le mien. Et c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Mais là, si je suis assez fort pour maîtriser cette personne sans le tuer, ok, je vais le faire. Et je vous promets que je vais le faire. Mais si il me dépasse, bon, j'attrape ce qu'il y a, hein, et puis on essaie de s'en sortir d'une quelconque façon. Mais je ne veux pas laisser ce que Dieu m'a confié à graisser. Écoutez, il y a eu. Il y a une question qui a été posée une fois à un candidat au présidentiel américain. Si quelqu'un rentre dans ta maison et qu'il viole ta femme, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a un qui a dit, oh, moi, je vais appeler la police et puis je vais l'amener à la justice. Ça, c'est une réponse politique. Il y en a l'autre qui a dit, en tout cas, moi, je ne sais pas comment vous répondre à cette question parce que je ne pense pas que je vais répondre de mes actes. Ça, c'était une réponse honnête. Parce qu'on ne peut pas être chrétien au point d'être malhonnête. Parce que si on est malhonnête, notre chrétienté même est remise en question. Écoute, la Bible dit, si on te gifle d'un côté, tends l'autre joue pour qu'on gifle. Mais qui d'entre vous fait ça? Et ne viens pas essayer ça sur moi, je ne suis pas encore rendu là. Je travaille sur moi encore. Mais c'est quoi la réponse honnête, sincèrement, quand quelqu'un te gifle? Je réponds? Ta première réponse, c'est... Tu gifles comme pas possible, tu essaies de répliquer d'une quelconque façon. Puis, si tu as prié, que tu as parlé en langue, peut-être ce matin-là, là, tu vas te ressaisir à un moment donné. Mais d'abord, c'est comme... Alléluia, Amen. Bon, c'est pas correct ce que tu fais. Si les Boko Haram rentraient ici, ils vont trouver leur égal. Oui, dernière question, parce que là, c'est ça. C'est bon, oui, des fois il faut juste fouiller. Si je comprends bien, en fait, quand quelqu'un te parle, quelqu'un te demande pardon, mais quand tu as été si traîné, bougie, je vais faire et tout, il ne faut pas garder de restrictions, de rancune. Oui, mais je ne veux pas, c'est quand j'ai donné cet exemple, ça veut dire je ne veux pas me remettre en... Le pardonner, c'est une chose, mais revenir pour qu'il me gifle encore, c'est une autre chose. Donc, en fait, il faut mieux faire du kiwi, mais oui, la Bible dit du temps que ça dépend de vous,
Soyez en paix avec le monde. Alléluia. Des fois, il faut éviter certaines situations. Là, ça fait trois questions. C'est un bref, mais ce sont des questions. Il y a un bref qui demande des réponses. L'autre, tu as oublié, c'est bon. Mais non. C'est pas que c'est bon, mais je veux dire. Alléluia, c'est ce que je veux dire. Bon, écoutez. Vous savez, quand Dieu demande une chose, c'est le danger. Maintenant, accorde-moi juste 2 minutes, je vais parler sérieusement. Tu sais, le danger de l'homme, c'est de remettre en question Dieu. Il ne faut pas arriver à une place où on commence à remettre en question Dieu. Quand Dieu nous donne un commandement, même des fois, lorsque nous ne comprenons pas ce commandement, nous ne pouvons pas surpasser la justice de Dieu. Quand Dieu le donne, c'est parce qu'il met des garde-fous et que quand on sort de ces garde-fous, des fois, on n'arrive pas. Ce n'est pas tout le monde pour qui on prie qui est guéri. Ce n'est pas tout le monde à qui on prêche qui est converti. Mais les brebis de Dieu doivent être protégés de ces loups qui ne se convertissent. Ils doivent être protégés. Les enfants de Dieu doivent être protégés. Et Dieu nous donne ses guides et ses paramètres parce qu'il sait mieux que nous. Avant que nous arrivions à cette situation, il le savait. Nous sommes en train de vivre dans une société où les gens tuent et découpe le cadavre et le met au frigidaire et il mange petit à petit. Écoutez, mais oui, mais c'est ça que vous voulez que je vous dise. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons enlevé les garde-fous que Dieu a donnés pour la société. Nous disons que nous sommes une société judéo-chrétienne. Mais c'est juste du blabla. Notre code criminel au début, était basé sur la parole de Dieu. Mais depuis, nous avons érodé tranquillement tout ce qui était de la parole de Dieu, de notre code judiciaire. Tout ce qui était basé sur la parole de Dieu, nous sommes en train de l'enlever tranquillement, et on n'appelle plus le mal, mal. Et toute la vérité devient abstraite. Il n'y a plus rien d'absolu. Laissez-moi vous dire, comme il n'y a qu'un seul Dieu, il y a aussi une vérité absolue. Et hors de ce livre, il n'y a pas d'autre vérité. Et toute société qui a basé ses principes sur ce livre a prospéré. Si les sociétés dans lesquelles nous sommes sont au niveau où ils sont, c'est parce qu'ils ont basé leurs principes sur ce livre. Et quand ils basaient leurs principes sur ce livre, tout allait bien. Mais lorsqu'ils ont commencé à éroder tranquillement les principes de ces livres, ces sociétés ont commencé à tomber. Nous sommes dans la dégringolade. Nous ne sommes pas en progression, nous sommes en régression. Nous ressentons encore peut-être le bienfait des générations passées, des sacrifices, des gens qui ont basé la société sur cette parole. C'est de cela que nous sommes récipiendaires aujourd'hui. Mais de nous-mêmes, la société d'aujourd'hui, cette génération, elle est loin, loin de ces principes. Elle est en train de récolter le fruit de cette déviation.
Nous vivons dans une société où, même sans travail, tu vis, mais ça ne marche pas. Ça s'écroule. Ça s'écroule. Mais quand tu dis cela, la première chose qu'on te dit, « Oh, tu es sans compassion. » Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Tu sais, quand tu es malade, tu vas chez le docteur. Pour qu'il te soigne, il te fait mal. Tu sais, des fois, il y a un bobo dans le ventre, il ouvre, il coupe des choses et tout cela. Mais tout ça, ça fait mal. Mais sans ce mal-là, il n'y a pas de guérison. Ça s'appelle la restitution. Ça s'appelle la restitution. Et si on enlève cela, notre société est perdue. Nous avons toute une génération de rebelles. Tu sais, dans nos écoles, je n'ai jamais prié pour mes enfants que le jour où j'ai amené ma fille à l'école secondaire, j'ai regardé, j'ai dit, wow, c'est là qu'elle va être. C'est des hommes de guerre. Des petits impolis, notoires, qui ont besoin d'une bonne correction. Tu sais, de notre temps, tu allais à l'école, tu faisais une bêtise, le professeur te frappait, tu rentrais à la maison, tu ne le disais pas, parce que si tu le disais, tu n'es pas en train de dire. Ah bon? Et c'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. Sinon, on ne serait pas là où on est. Sinon, on ne serait pas là où on est. Aujourd'hui, on a des... Écoute, l'autorité n'a plus de sens. Ça n'a rien. C'est l'anarchie, c'est le désordre total. Pourquoi? Parce qu'on enlève la restitution. On ne peut pas gérer une société, on ne peut pas élever des enfants avec la psychologie. Ça prend la discipline. Si la psychologie marchait, les policiers allaient juste nous faire des sermons après que nous ayons fait la vitesse. Ils t'arrêtent. Monsieur, tu as fait du 100 à l'heure dans une zone de 30. Tu sais, c'est mortel, hein? Et puis, tu sais, et puis ça. Non! Ils te collent $280 d'amende, de 6 points de démérite, et tu t'en rappelles. Ça, c'est grave. Et tu t'en rappelles. Et la prochaine fois, tu es même. Je vais finir avec ceci. Si tu es en train de conduire la voiture, tu as pris un de tes amis qui d'habitude il conduit. Tu sais, il est sur le siège passager. Il parle au téléphone. Et il voit une voiture de police. Et puis il réalise qu'il n'est pas en train de conduire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà eu un petit coup. Là, il a oublié. Il ne conduisait pas, mais. Et le policier regarde, il rigole. Un homme sans l'autorité, ça ne marche pas. Ça prend toujours l'autorité. Et l'autorité doit exercer le principe de la restitution, sinon il n'y a pas d'autorité. Amen. Et pour rejoindre le frère, c'est comment le frère à côté de Christian. Mais, Serge. Maintenant, pour rejoindre le frère, écoute, regarde, si tu as deux enfants qui viennent te voir, toi tu es l'adulte. Oh, ah, lui, il a volé mon jouet. Qu'est-ce que tu fais pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que tu fais pour résoudre ces problèmes et aider que ces enfants marchent droit par la suite? Tu lui apprends le partage.
écouter. Avant de leur apprendre le partage, tu ne peux pas leur apprendre le partage sans dire, sans corriger d'abord l'erreur qui a été commise. Oui, c'est vrai. Sinon, celui qui a été victime ne va jamais t'écouter. Parce qu'il y a déjà l'injustice qui est commise sur lui et que ça n'a pas été réparé. Donc tu es injuste et tu brises le lien de confiance. Or, c'est lui qui a volé le jouet de l'autre. Lui, il est renforcé dans sa position. Demain, je vais prendre le jouet d'un autre, parce que si on m'amène devant un adulte, rien ne va se passer. Tu vois? Et là, tu perds tes deux enfants. Tu dis d'abord, c'est son jouet, remets son jouet. Et là, tu es en place maintenant d'instaurer quoi que ce soit par la suite. Mais si tu ne fais pas ça, tu perds les deux. Tu parles avant grand? Tu perds le contrôle. Tu perds les deux. Amen. 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 Battons nos mains pour le Seigneur. Comment l'homme a obéi au commandement, éparpillez-vous, répandez-vous sur la terre, blablabla, blablabla, bla, 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 ainsi de suite. Amen. Amen. Alléluia. Ouais, on va être là-dedans. Alléluia. Maintenant, super simple, comme tu voulais parler, tu peux prier. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, papa, pour l'opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, de nous rassembler, papa, dans la maison, Seigneur, de partager, papa, ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis dans l'esprit que nous sentons en Seigneur, Seigneur, la parole qui est dit, Seigneur, tu veux voir, papa. Prions, papa, que cette parole, papa, tu souffles de joie, papa, dans nos cœurs, Seigneur, et que cela affecte, papa, dans les choses. Toutes choses, papa, en tout lieu où nous avons éternel, Dieu de gloire, nous puissions nous poser cette question éternelle. Que cette parole éternelle, Dieu de gloire, papa, puisse revenir ensemble, Seigneur, avec même nos choix, Seigneur Jésus. Nous bénissons, papa, pour nous servir, Seigneur. Nous en prions éternel, Dieu de gloire, papa, que tout soit puisse être notre cœur, Seigneur, que nous puissions le prendre avec action et grâce et simplicité de cœur, Seigneur. Bénis les mains qui nous font, les mains aussi qui nous font, papa, Seigneur, que tout ton cœur de que toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.